Cuba, c'est le plus gros territoire dans l'Antillo. Il mesure 110 000 km². Il y a environ 11 millions d'habitants. Capitale, c'est La Havane. Langue de parler, c'est espagnol. Même Jacques Zille, Haïti, Cuba, te gagné Taïno sous lui. On dit Amérindien. D'ailleurs, même Jean Haïti te divisé en Cassica. Yo même tout, yo te gagné Cassica. Camagüey, Savanac, Habana, Bayamo, c'est quelques noms. Blip, 1492 rentré, M. Colomb débarqué sous Zille, Cuba. Pied l'or pour l'Espagne, mettez moun nan esclavage, ou oui, yo découvri Amérique. Bravo, Européen. De 1492, monsieur Sao débarqué a pou jusqu'à 1800, l'Espagne a acheté tibou de tessa l'argent comptant. En 1868, Carlos Manuel de Cepedes pral mette 37 esclaves de Edol, prend zam pour dire fuck Cuba indépendant. Bataille mette pied Cuba indépendant. Malheureusement, première indépendance l'an mal passé. L'Espagne prend tibou de tel encore pire. En 1895, yon lot gen indépendance déclenché à quelques leaders en cours José Mati. Depuis nan moment ça tout, États-Unis te gitan présent Cuba. Yon tap géré business sucre à Cuba. En 1894, plantation canne plus raffinerie yon te gen l'autre bois te représente plus que yon centaine million de dollars américains. Présence l'Espagne qui te Cuba dérange États-Unis. La voyette du fait en bas pour Cuba yon levé campé pour yon mette l'Espagne dehors. En 1895, gen sa déclenché. Jusque là, yon pat rentré visiblement. En 1898, William McKinley, qui était président américain, voyait un bateau de guerre Cuba, oh oui, pour la protéger bien. Pas de monde qui compte ça passer, bateau a explosé. Bien rapide, États-Unis rentré dans la guerre contre l'Espagne. Là, il y a des Cubains en bataille. L'Espagne pas vraiment qu'à bataille avec États-Unis, li abandonné la guerre. Américains ont tout profité de mettre l'Espagne dehors net dans l'Amérique là. Cuba vient indépendant. Et bien, Porto Rico qui te nomme l'Espagne tout, tout ça me tout profite de dire, bon, tout prend petit bout de tessa pour m'associer avec Pamna. États-Unis prend Porto Rico. Ou t'as dit, Américains ont aidé Cuba pour l'indépendance. Mais tout, yo pral vle acheter Cuba. Yo fourri pied yo tout longue dans la politique Cuba. Mette président yo vle, jete président le yo vle. Même Jean Haïti passe en pile ti marionnette. Cuba passe tout. En 1940, Rubén Fulgencio Batista président. Pas oublier c'est dans moment ça qui était deuxième guerre mondiale là. Bien rapide Mr Batista ouvrit porte Cuba pour États-Unis. Liba États-Unis espace aérien Cuba qui donc tout avion de guerre États-Unis qui atterrit sans danger, liba la mer et liba terre. Histoire est plus loin. En 1941, Cuba déclarait l'Allemagne la guerre, pas gain jouette. Tonton Sam lié. 1944, Batista quitte le pouvoir. Ramon Gros monte président. Là, nous vivons en 1952. Élection pour la fête Cuba. Batista allait dans la course là encore pour président. Il y a un sondage qui fait Batista placé en troisième position. Il sentit le pape qu'à président. Bien rapide, monsieur Alain Zoré, la meilleure al Kassiti Bois, il promet officier là-bas au gros salaire si au campé de elle. États-Unis même qui te la gontissia et souterrain, cap limite dit fait instabilité en bas, ah, Cuba chauffé. 10 mars 1952, 4 mois avant l'élection, Batista passe vitesse coup d'état rapide sous Carlos Prio qui était président. Il fait quitter pouvoir et puis annuler l'élection. Il mettait le président provisoire. Fermez genoux, là nous en Haïti, même histoire. Peuple haïtien, nous pas mandé parole. 27 mars 1952, bien rapide États-Unis reconnaître gouvernement Batista. États-Unis ou ka défendre intérêt a fermé jou. La campé avec et pouvoir a garanti. En 1954, Batista organise l'élection. Il est le seul grand candidat. Ramon Gros qui était en face, il vient abandonner. Il est tout président rapide. Pia et Poupipo. États-Unis t'a supporté Batista parce que Batista t'a combattu communiste pour lui. Batista a mis un bureau spécial pour le même jeune garçon qui voulait rentrer dans l'activité communiste. Il interdit grève sur tout territoire. Si États-Unis t'a accepté coup d'état Batista et accepté gouvernement là, eh bien bon dis nous, y a un citoyen qui pral camper, qui pral dire ça pas passé, li pas boel parce que le pays a gen moun. Monsieur Relé Fidel Castro. On regarde nous qui on qui était Fidel Castro avant pour nous rentrer dans action citoyen ça te mené Cuba. Fidel Castro prend naissance en 1926 dans une province dans Cuba. En 1934, il pral voyer petit bonhomme là dans Santiago de Cuba pour aller faire petit classe. En 1941, à 15 l'année, c'est dans la capitale Cuba, La Havane, il pral voyer pour aller finir l'école Caipé. Même logique à Haïti, pas gen bon l'école dans la localité, faut qu'il voyer dans la ville Caimé Caipé. Sauf que pas Cuba, c'était en 1940, mais réalité pas nous, il pas changé. La Castro finit l'école, il rentre dans l'école de droit de La Havane. Bien rapide, Fidel Castro la gueule nan li. Moun Castro ap li sou yo, c'est Karl Marx, c'est Hegel, c'est Lénine. Gros tête nan question communiste. Fréquentation Castro a fait ses groupes jeunes qui ont réfléchi en communiste. Se rete tout moun rete yo, ouais, tout débat qui a fait dans tout mouvement qui gagne dans la faculté,
Castro devant. En 1947, c'est arrêté tout le monde rete, yo wè Fidel Castro kap paret ak yon cloche. Cette cloche était utilisée première fois les Cuba ta pran indépendance lien pour te dire tout esclave levé en avant. Monsieur Alpan cloche ça dans ville de Managua, li vini avec la capitale Cuba qui c'est la Havane. Castro pa vin pour la paix, li sou révolte tout bon vrai parce qu'il senti patrie en danger. En 1948, monsieur pral marié, il pral gen petit et en 1952, il t'a pas posé candidat dans parlement. Batista bay coup d'état, il prend pouvoir, élection parfaite et Castro a gardé Cuba qui virait tête en bas. En cachette, Castro pral monter une organisation et mettre quelques garçons avec elle. Première action Fidel Castro pral poser pral fait 26 juillet 1953. Côté le pral fait tentative pour le prendre en caserne dans Santiago de Cuba pour le cas lancer mouvement là. Tentative là échoué, Castro al en prison, partisan mouri. Après 18 mois prison, Castro tout près exil, il a école Mexique ak Freli Raoul. Et c'est là tout il pral rencontrer Ernesto Guevara qui gèti non li Che. Histoire ça pral aider Castro dans révolution en tout. Pendant d'ailleurs la pensée à qui plan pour le cas back in the city. En 1956 avec 80 garçons comme ça, il débarque dans Cuba. Monsieur pral monter un mouvement guérilla avec un groupe paysan, garçon gars dans toute forêt dans province orientée, coup de zam a chanté, acclamé Batista, garçon a tombé, Castro a marché près. Jusqu'à ce que 1er janvier 1959 Batista couille quitter pouvoir. Équipe Castro prend pays. Bien rapide, monsieur remette Manuel Urrutia président. Castro feinte. Li même, il est premier ministre. Kounia yo lancé réforme dans pays. Yo crasé parlement qui était sous Batista. Tout parti politique tête chat avec un bon corrupteur, démagogue là-dedans. Yo crasé yo plate. Tout le monde qui était posé candidat dans l'élection Batista te fait en 1954, yo retiré tout dans la vie politique pays. Castro dit nous-mêmes, nous allons rendre nation en service. Mettez quoi nous sous côté. Yo lancé réforme agraire rapide dans pays. Yon bonne action commence à faire. Depuis 1960, États-Unis qui a fait tentative pour le renverser le gouvernement. Parce que le senti idée Castro, c'est idée communiste. Et États-Unis, c'est sous fiel li pour passer, pour développer un système comme ça dans l'Amérique là. Castro dit, nous allons louer ça. Bien rapide, il écrit Union soviétique qui était la Russie en dedans, qui était dans la guerre froide avec États-Unis. Ah, mon cher, Américain fâché. En avril 1960, États-Unis décidé pas voyer gaz Cuba. ESSO, Texaco, Shell qui était compagnie américaine refusait raffiner gaz Union soviétique t'a voyer par Cuba. Castro dit hein, c'est comme ça? OK. Bien rapide, il prend 36 compagnies sucre, compagnie téléphone américain, il fait revenir pour l'État. John Fitzgerald Kennedy prend peser cloa, embargo total sur Cuba. Rien pas passé. Et on interdit tout produit qui gont petite touche cubain là-dedans sous sol américain. États-Unis même tombé par l'autre pays pression. Pour couper relation à Cuba, l'Ira l'OEA bien rapide pour le faire faute pour mettre Cuba dehors. 6 pays, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Équateur, Mexique, yo di base, nous pas suivre dans route ça non, yo refusé voter pour Cuba dehors dans OEA. Et Haïti anti chècho, rapide bien l'ai, li voter pour Cuba dehors dans OEA pour États-Unis cabal aide. Et Castro qui était bien étudié qui j'ai a été impliqué dans renverser président en Iran. À Guatemala dans l'époque ça peut-être t'a cherché sortie en bas griffe États-Unis et bien Cuba pas cherche en face pour le fourre col net en bas Union soviétique et États-Unis côté pas c'est tentative qu'a fait pour jeter régime là. En 1961 gouvernement américain prend un groupe 1400 cubains qui étaient exilés États-Unis ils entraîné yo ba aux armes pour débarquer Cuba vinn jeter gouvernement Castro. Ah c'est ça pata là mais Castro ça pata yo causer ça c'est li relé dans l'histoire débattement à la baie des cochons. Fidel Castro qui peur pour États-Unis pas envahir Cuba pour Jean Wel commencer à relayer l'Union soviétique pour dire États-Unis sous menace tout bon vrai. En mai 1962, Nikita Khrouchtchev qui était dans tête Union soviétique lance une opération qui portait nom opération Anadir. Côté Union soviétique voyait dans Cuba 50 000 soldats, 36 missiles nucléaires S-4 et S-5, 4 sous-marins de guerre. Union soviétique dit mais Cuba là, si ou toi même 1962 ça, Union soviétique construit une station radar dans Cuba pour surveiller communication avec tout satellite américain. N'a pas les Kounia nous pour troisième guerre mondiale. C'est dans l'époque conflit Cuba ça, le monté pour troisième guerre mondiale. Déjà deuxième guerre a été fait fini, cicatrice était tout fraîche. Ah, tout monde peur. Et surtout les armes nucléaires. Tout ça, États-Unis pas posé le nom. En 1976, yon agent CIA Luis Posé da Caires fait exploser un avion Cuba sous tête Barbade avec 73 moun là-dedans. Gros déclaration faite, Union soviétique dit américain al doucement
États-Unis vient arriver un moment, il vient sentir guerre déclarée capable pour lui. Kounya, il développe une autre tactique. Comme c'est Castro qui problème lui, l'a cherché éliminer. En 1960, Eisenhower qui était président des États-Unis, mettait sous pied un projet pour mettre un produit chimique dans un studio de télévision. Côté Castro t'a pas enregistré un discours. Après ça, il a changé. Il a pensé mettre dans une boîte de cigarette libido. 1963, une agence CIA baillon cubain une plume empoisonnée pour aller finir Castro. Projet échoué. Projet assassinat monté pour mettre poison dans soulier Castro côté d'ab descendre dans hôtel. En 1975, Castro bail George McGovern, un sénateur américain, yo liste 24 assassinats yo fait sous lui. Dans un document qui sorti en 2006, yo joine de 1960 à 1975, plus passé yo centaines tentatives assassinat États-Unis fait pour éliminer Castro. Yo pensé à empoisonner équipement Castro qu'on a le plongé. Mettre poison dans de l'autre côté Castro qu'on a le baigné. En 1979, pendant Castro dans un avion, il a fait un discours dans les Nations Unies. Un journaliste m'a dit, El Comandante, est-ce qu'on gagne gilet pas balle sous là? Parce que l'histoire voulait assassiner Castro à Patron. C'est que dans toute la presse qu'on a parlé de ça, Castro ouvert chemise li bien là. Je réponds au journaliste, il dit, yes, un gilet pas balle lui, mais c'est un gilet moral. Eh bien, famille, bon, m'di ou, 25 novembre 2016, c'est la caille Castro couché dans Cuba. Li mouri à 90 ans, c'est maladie vieillesse qui touye l. De 1959 à 2016, Castro campé nan boule figi plus que 14 présidents américains, malgré toute tactique, tout plan yo monté pour éliminer l. Et malgré l'Union soviétique qui tape Corel, te vin krasé dans l'année 90 yo. Fidel Castro c'est moun qui fait une révolution, li mette le chita. Li c'est moun qui promotise li, li mette premier régime communiste dans tête li nan continent américain. Et puis, li régnait sous li pendant plus passé 50 l'année. Ou remel ou pas remel, faut qu'on respecte l. T'as compris tout? Fidel Castro t'a l'école, li t'a l'université, li t'a bâti l'émission pour li, pour te ka comprendre un peu le système, pour te ka wè qui ça ka pi bon pour pays. Tout ça pour me dire nous, ou pas ka changer rien ou pas comprendre, ou prétend nous gen solution Haïti, ou pas même comprendre problème ni type. Ou bâti tout menti. Peace. Ah, mon silence.